puissant. How could this happen to me? Mais comment on fabrique ça, du savon? Comment ça marche, du savon? La première étape dans la fabrication du savon est de bien s'équiper. Il nous faut une vieille chemise. S'attacher les cheveux, des lunettes de protection et des gants de protection. Nous sommes maintenant prêts. Il nous faut 2 tiers de tasse d'huile de noix de coco, 2 tiers de tasse d'huile d'olive, et 2 tiers de tasse d'huile de pépins de raisin. Mettez les huiles sur le feu pour amener le tout à une température d'environ 105 degrés Fahrenheit. Pour la solution d'hydroxyde de sodium, nous allons mesurer un quart de tasse de NaOH. Placez-le de côté dans un bol. Par la suite, mesurez 3 quarts de tasse d'eau déionisée et ajoutez-la à une grande casserole. Ajoutez petit à petit l'hydroxyde de sodium dans l'eau. Ajoutez petit à petit la solution d'hydroxyde de sodium à vos huiles. Lorsque votre mélange a une consistance similaire à celle de la vidéo, vous pouvez maintenant tout verser dans des moules. Tout cela est bien beau, mais que se passe-t-il au niveau chimique? Les huiles utilisées dans la composition de notre savon sont composées de triglycérides, qui sont des molécules composées de glycérol et d'acide gras. La saponification est une réaction d'hydrolyse des esters formant le pont entre les acides gras et le squelette de glycérol. Mais comment fonctionne cette réaction? Dans la vidéo, nous préparons une solution d'hydroxyde de sodium. Ce sel se dissout dans l'eau et forme des ions hydroxyde, donc OH- et sodium, Na+. Les réactions chimiques peuvent être vues comme étant des aimants. Physiquement, l'oxygène est un élément électronégatif, c'est-à-dire qu'il possède une charge négative importante. Comme l'atome de carbone est situé à côté de 2 molécules d'oxygène, il est considéré comme ayant une charge positive. C'est même l'atome de carbone ayant la charge positive la plus importante de la molécule et, comme un aimant, la charge négative de l'hydroxyde réagit chimiquement avec l'atome de carbone de l'ester. À la fin de la réaction, la charge positive du sodium vient stabiliser davantage la charge négative de notre nouveau groupement carboxylate. Il serait maintenant utile de savoir comment fonctionne le savon avec notre peau. La peau produit des huiles naturellement. Celles-ci peuvent bloquer les pores et causer une multitude de problèmes, comme l'acné. Voici une molécule de notre savon. Il y a un bout de la molécule qui capte les huiles et l'autre bout qui peut interagir avec l'eau. L'eau peut maintenant porter les huiles de notre peau grâce au savon. Merci beaucoup d'avoir écouté notre vidéo. Maintenant, je peux me laver.